Mort. Non. Mort. Tu dois... sauver. Donc ce qui est important à remarquer sur le crâne de ce squelette, c'est la position du trou occipital et le volume encéphalique qui permettent de dater à quelle époque appartenait ce squelette. Tu n'en as pas dormi, Jacob ? Pardon, monsieur. Oh, tu diras ça à ton prof principal. Hein. Non, mais sérieux, chérie, j'en ai trop marre de cette fille. Elle est pas possible. Patrick, écoute-moi, c'est une question de vue de mort. Pff, écoute, espèce de taré, lâche-moi avec l'histoire débile. Putain. Non mais arrête là, qu'est-ce que tu fous là encore? Écoute-moi Patrick, hier soir je t'ai vu, t'étais recouvert de sang. J'ai peur pour toi. Arrête espèce de débile! T'as pas de vision, t'es nul, t'as pas de talent, dégage là, qu'est-ce que tu fous encore là? J'ai compris! T'as le taré! Silence maintenant, fais l'appel! Bien! Alexandre. Présent. Tyler. Présent. Patrick. Patrick. Ouais. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je suis ici pour vous informer que votre camarade, Patrick Manchester, a été retrouvé mort. La police pense qu'il a eu un accident, mais aucune piste n'est écartée. L'enquête est en cours et je vous remets la liste des élèves qui vont être convoqués pour un interrogatoire. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. J'avais prévenu pourtant. Je savais que ça allait arriver. Pourquoi elle ne veut pas écouter ? Alors, c'est Jonathan, c'est ça? C'est bien ça. Donc on va aller droit au but. Ton casier judiciaire est loin d'être vierge. T'as recommencé les conneries? Non, j'ai fait des conneries, mais c'était dans le passé. Admettons. Est-ce que Patrick était un ami à toi? Est-ce que tu peux nous dire des choses sur lui? Sincèrement, Patrick, je le connaissais pas beaucoup. Je voudrais pas être irrespectueux, mais c'est pas le genre de mec avec qui je traînerais. Sais-tu s'il avait des problèmes avec des gens du lycée? Peut-être, je sais pas. Il avait des problèmes avec les filles. Surtout avec cette Barbara. Surtout avec qui il s'embrouillait. Bien, c'est noté. Est-ce que tu sais autre chose? Tu peux nous dire d'autres choses? Non, pas spécialement. Bon, bah on va juste prendre tes empreintes, après tu pourras repartir. Très Par contre, je te demanderai de pas quitter la ville parce qu'on aura certainement d'autres questions à te poser. D'accord. Mademoiselle Schaeffer? Appelez ma barbe. Mais ouais, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes les capitaines Snidey et Payette et nous aimerions vous poser des questions quant à la mort de votre ami Patrick. Petit ami, s'il vous plaît. Oh, nous étions très proches. Oh, nous nous aimions très fort. Oh. Mais bien sûr. Alors connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal? Bah oui, vu qu'il est mort. Vous n'êtes pas très fut-fut pour des flics. Hein. Répondez à la question, s'il vous plaît. Bah, pour moi, c'est simple. Votre tueur, c'est Jonathan. Jonathan Fernandez. Et pourquoi cela? Bah, c'est simple. Il craquait pour moi. Personne ne peut me résister. Après tout, qui résiste aux blondes? Enfin bref, je l'ai friendzone. Comme si j'allais sortir avec un gros naze comme lui. Ah ça, non. J'ai ma réputation à tenir quand même, hein. Enfin bref, il m'a juré que le prochain mec que je kifferais, il le tuerait. Il le buterait. Il se vengerait, quoi. Ouais, donc il y a mobile, quoi. Et en parlant, vous étiez où, vous, au moment du meurtre? Moi, je passais une élection de casting pour Miss Saint-Charles. D'ailleurs, la prochaine fois que vous venez, votez pour moi. Bon, c'est pas tout ça, mais ma couronne m'attend. Ouais, bye.
J'arrive pas à croire que des personnes comme ça existent. Oh, si les filles du lycée, les pèses comme ça, il y en a encore. Et tu penses qu'elle peut avoir raison, que ce Jonathan Fernandez peut être lié au meurtre? Je sais pas, faut voir. On verra bien avec le temps. Ouais. Hey mec, tu te rappelles hier comment je t'ai défoncé? Ouais, mais t'as triché, on avait-tu pas le rôle sniper? Mais vas-y, t'assumes même pas, sale mytho. Mytho toi-même. Ouais. Hey les gars, vous avez entendu le truc? Hein? De quoi tu parles? Bah, vous voyez Patrick? Il a été retrouvé sur le parking, du sang partout. Il est forcément mort. Non, sérieux? Oui, oui, la police enquête, il a sûrement été assassiné. Il y avait du sang partout, quand mon frère me l'a dit, j'y ai pas cru. Ouais, c'est horrible. En plus, je risque de me faire niquer par les Hendek. Mais y'a aucun rapport, hein, cette histoire de drogue, ça te concerne plus. Ouais, mais tu sais, c'est du passé, et entre temps, je me suis fait plein d'ennemis. Ouais, mais. T'es innocent, toi. Mais oui, tu le sais bien. Ouais, si tu le dis. Oh Barbara, c'est bon, t'inquiète pas, c'est la vie, c'est comme ça. Mais pourquoi lui, il était si gentil? Tu sais, quand une fille... Oh, tais-toi! Pas besoin de tes métaphores à la con! Moi, le tueur, je le défonce easy. Qu'est-ce que tu racontes avec tes bras de 20 cm? Il sentira rien. La ferme, je suis sûr que c'est Starrett Jacob. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Je suppose que c'est pour le meurtre de Patrick. Exactement. Est-ce que vous étiez amis avec lui? Oui. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arme du crime. Les scientifiques ne l'ont pas encore analysée, mais on l'a retrouvée dans un pot de fleurs dans votre lycée. Et en quoi ça me concerne? Des centaines de personnes auraient pu mettre ça. En plus, j'ai jamais réellement été ami avec Patrick. Ah bon? C'est pas ce que vos camarades de classe nous ont rapporté. Apparemment, vous lui auriez parlé la veille de sa mort pour lui dire qu'il était en danger. J'ai une vision de sa mort, et en tant que camarade, je suis allé prévenir. Mais, bien évidemment, il m'a pas écouté. Non mais une vision, non mais sérieusement? Enfin, on est dans un commissariat de police ici, vous pouvez pas nous arriver et dire que vous avez une vision. Prenez les choses un peu au sérieux, là. De toute façon, j'ai un alibi. J'étais à la Forte Saint-Pierre. Donc, vous avez aucune preuve contre moi. J'espère bien, parce qu'on va bien le vérifier. Restez à notre disposition. Allô, bonjour, puis-je parler au procureur, s'il vous plaît? C'est elle-même, que se passe-t-il? C'est à propos de l'affaire Suarez. Il se trouve que l'enquête piétine, nous n'avons aucune piste sérieuse pour le moment. Ok, ne faites plus rien, je m'en occupe. Toujours aussi mal, celle-là? Police spéciale? Oui, c'est pourquoi? L'affaire Suarez a besoin de votre aide. Je veux un agent sur le coup et vite. Michaela Laboum, c'est vous? Oui, c'est moi. Suivez-moi. Assieds-toi. Et puis, dépose-moi ce joujou-là, t'en auras pas besoin ici. Michaela Laboum, c'est ça? Oui. Tu as été condamné à 15 ans de prison pour vol à main armée et trafic de stupéfiants? Vous avez oublié la vente d'armes. Ouais, bon, je vois. J'ai un marché à te proposer. Et qu'est-ce que vous me proposez? Si tu fais ce qu'on a besoin, il se pourrait que on oublie ta peine de prison. Et quel sera mon rôle? On a besoin de toi pour mener une enquête, être infiltré dans un lycée, te faire passer pour une élève. Et c'est passé quoi dans ce lycée? Un homicide, un accident, pour l'instant, on ne sait pas encore. Ça marche, je suis partante. Mais qu'est-ce qui me prouvera que vous tiendrez parole? Besoin de preuves? Allez, viens, suis-moi. Allez, c'est par là. Je te présente les trois jeunes qui sont dans le même cas que toi. Eux aussi, ils ont été condamnés et ils travaillent maintenant avec nous dans la police scientifique. Allez les gars, présentez-vous. Eh bien, moi c'est Yves. Ça fait 2 ans que je suis ici pour purger ma peine. En fait, à la base, dans mon quartier, on m'appelait le chimiste. En fait, en soi, je fabriquais des drogues de synthèse. J'étais très bon en sciences, mais...
un mec m'a... Bah, m'a balancé. Bah, depuis, je suis là. Et je mène des analyses. Alors, moi, c'est Bob. Je suis là depuis maintenant 5 ans. J'ai parasité le site d'un grand labo pharmaceutique pour leur piquer une molécule. Puis je l'ai remise sur un site en accès libre. Ils n'ont pas très aimé. L'informatique et la biochimie sont mes deux passions. Moi c'est Emma, j'étais en 5e année de physique appliquée. J'avais besoin de thunes pour finir mes études. Et j'ai fabriqué une petite bombe pour exploser le coffre d'une bijouterie. Et, il me reste 1 an et demi à tirer. Alors ? Ok, ça marche, je suis des vôtres. Allez, on y va. Bonjour, monsieur. Entrez, asseyez-vous calmement, s'il vous plaît. Je vous prie de bien vouloir accueillir une nouvelle élève, Michaela, aujourd'hui. Je te prie de bien vouloir te présenter, s'il te plaît. Bah, comme vous l'avez compris, je m'appelle Michaela. Je viens d'arriver et l'année dernière, j'ai étudié dans un lycée à Paris, en banlieue parisienne. Très bien, assieds-toi à la place vide là-bas et Fabien te donnera le premier cours que nous avons ensemble. Salut beau gosse, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Je suis solo, personne ne m'aime, tu sais. Mais non, je suis sûre que c'est faux. Dis-moi, avant mon arrivée au lycée, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un meurtre. Je suis sûre que c'est Jonathan. De toute façon, on sait tous qu'il a toujours voulu Barbara. Jonathan, le gars chelou au fond de la classe qui écoutait rien tout à l'heure. C'est vrai qu'il a pas l'air net. Ouais. Oh, mais qui voilà? La splendide Michaela. Excuse-moi, tu disais? Pourquoi une fille aussi charmante que toi marche toute seule? C'est bon, t'as fini? Ouais, non, en fait, j'avais une question. Pourquoi tu traînes avec un gars comme Jacob? Sérieux, tu mérites mieux. Et alors? Ce que je veux dire, c'est que Jacob n'est pas fait pour toi. Tu mérites un gars qui puisse te protéger, pas un canard comme lui. Je suis sûr qu'un jour, si tu te fais agresser dans la rue, il pourra rien faire. Par contre, tu vois, moi, je sais me faire respecter, pas comme Jacob. Et je sais que tu sais que j'ai raison. Ah donc pour toi, je devrais arrêter de voir Jacob pour sortir avec toi? Bah pourquoi pas, ça me dérangerait pas. Et puis j'aime bien ton petit côté rebelle, ça te rend deux fois plus belle que tu n'es déjà. Qu'est-ce qui me dit qu'en vrai t'es pas un canard comme lui sous tes airs de bad boy à la con? Oh mais c'est simple chérie, je vais t'apprendre un truc sur moi. Je suis déjà allée en prison l'année dernière pour avoir tabassé deux gars et pour possession de drogue. Me dis pas que t'es choquée pour si peu. Tu dis ça comme si tu t'en foutais, comme si t'en étais fière. Ouais je m'en fous, de toute façon c'est derrière moi, c'est des histoires anciennes, j'ai changé maintenant. Tu vas me dire que t'as changé en si peu de temps? Laisse-moi rire. Bah ouais, tu crois quoi? T'as jamais entendu dire que la prison ça transforme les gens? Bref, réfléchis à ce que je t'ai dit. Chef, j'ai des infos pour vous. Allez-y, je vous écoute. Il se trouve que le petit Jonathan a déjà fait de la prison pour agression. Ça, on le savait déjà. Allez me chercher un échantillon d'ADN de ce monsieur, pour qu'on puisse les comparer aux empreintes découvertes sur l'arme du crime. C'est tout? Pas de merci? Rien? Écoutez, ma petite, c'est votre boulot désormais. Alors ne vous attendez pas à recevoir des fleurs tout le temps. Je me suis bien fait comprendre? Oui, chef. Non mais tu peux pas dire ça, c'est impossible. Mais si, ça se fait, c'est mieux que Naruto. Mais non, c'est pas possible, tu peux pas me dire ça. Finalement, sous tes airs de bad boy, tu me plais bien. Ouais, vas-y, laisse-nous. Bon, j'y vais. Tiens. Raco à nous. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Sang.
Waouh, de la vodka? Où est-ce que t'as eu ça? J'ai mes sources. Toi, tu me plais de plus en plus, toi. Aïe! Bah quoi? T'aimes pas les câlins? Non, puis tu me saoules, je me casse. Monsieur Quentin, avez-vous fini d'analyser les échantillons sur la drogue qui est en cours? Oui, monsieur, et vous allez être trop déçu. Pourquoi cela? À part ce que nous connaissons déjà sur lui, il n'y a aucune correspondance entre son ADN et les empreintes trouvées sur l'arme. C'est donc une fausse piste. À part être un imbécile de première, je ne vois aucun rapport avec l'accident de Patrick. Je reconnais qu'ils vont être déçus. Je vais appeler nos chefs. Hé, hey, Michaela! Hein? Ah, Jacob, c'est toi! Ça te dit de vivre une expérience inoubliable, l'air des débiles? C'est-à-dire? Un pack de sang? Un quoi? Bah, tu sais, quand on se coupe la main, on serre la main et on devient frère et sœur de sang. Et pourquoi tu vas être frère de sang avec moi? Oh, allez, quoi, ce sera marrant, on va s'éclater, ce sera fun. Fun? On n'a pas la même définition de fun. Et puis je ne... Tu sais, ça va nouiller pour toute sa vie. Si tu fais ce qu'on a besoin, il se pourrait que on oublie ta peine de prison. Ok. Bon, tu fais, ça fait pas mal. Un lien pour la vie entière. Ça te dirait de sortir un peu pour chiller? Oula, le bowling. Tu sais, moi j'ai entraînement de bowling encore. Du coup, justement, je dois y aller. Je te laisse. Salut! Michaela. J'envoie cet échantillon de sang au labo. Ce Jacob, il est trop bizarre. Peut-être que les analyses donneront quelque chose. Il semblerait que ce Jacob soit déjà dans nos fichiers. Les capitaines ne vont pas aimer. Envoie-leur un mail. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Expliquez-moi ce que vous avez trouvé là. Oui, ça y est, notre équipe de recherche a pu analyser l'échantillon de Jacob. Ah, ils ont fait vite. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Il se trouve que notre cher Jacob se nomme en réalité Kobja. Son père est en prison pour violence conjugale et maltraitance infantile. Eh bien, c'est du lourd. Et c'est pas tout. Il a eu un suivi psychiatrique et sa mère, sa sœur sont encore internés. Alors quoi, il est en famille d'accueil maintenant? Oui, c'est ça. Monsieur et Madame Raoul. Est-ce qu'on sait quel psy a suivi Jacob durant son internement? Oui, il s'agirait de Madame Raoul. Ah, dans ce cas, j'envoie quelqu'un lui rendre une petite visite pour en savoir plus. Entrez. Bonjour. Mesdames. Ça va? Oui, bonjour. Oui. Vous êtes la psychiatre de Jacob, c'est ça? Oui, depuis 2 ans, si je me trompe pas.
Et est-ce qu'il a eu des antécédents psychologiques ou quelque chose dans ce genre? Pourquoi vous voulez savoir ça? Quelque chose de grave s'est passé? Oui, en effet. Oh, il va bien? Lui, oui, mais les autres? Ce sont des informations privées à l'enquête, désolée. Nous avons besoin de ces éléments pour l'enquête, donc vous devez nous dire le maximum de détails. Alors, Jacob est un enfant très spécial. Il a subi un traumatisme très violent dans son enfance, ce qui l'a poussé à se renfermer sur lui-même et à se créer comme un frère jumeau. Un frère, vous dites? Oui, un frère jumeau qui lui protégerait des dangers, quelque chose comme ça. Et ce frère, qui est-ce? C'est Jacob, enfin, non, Kobja, enfin, sa seconde personnalité. Mais vous pensez qu'il aurait pu être capable de faire quelque chose comme ça? Je ne sais pas, le trouble de la personnalité semble apparaître que lorsqu'il est seul ou en état de détresse, comme pour protéger Jacob. Voilà, Kobja. Pouvons-nous emprunter son dossier, s'il vous plaît? Nous aurons besoin de quelques informations complémentaires. Bon, bah, je vais vous l'emprunter immédiatement alors. Jacob! On veut juste parler, voyons. Pourquoi? T'aimes pas parler? Laissez-moi. Écoute-moi bien, petit merdeux. Tu vas arrêter de te tourner autour de ma Michaela. Elle est à moi. Elle est à personne. Laisse-la tranquille. Ok. Tu veux la jouer comme ça? Oh, vous faites quoi là? Oh, ma chérie. Je suis pas ta chérie. Sauvage, j'adore ça. J'étais en train d'expliquer à Jacob qu'il fallait qu'il arrête de te pourrir la vie. Merci, mais pour l'instant, la seule chose qui pourrait me pourrir la vie, ce serait de voir ta tête une seconde de plus. Ah ouais. T'as de la chance d'être une fille, ma belle, sinon ce serait déjà par terre. Ça va? Oui. Oui. Quelle bande de cons, ceux-là. Bon, pour te remercier, tu voudrais pas venir au cinéma avec moi? En fait, j'ai bowling ce soir. Tout en bowling, non, quoi? Ouais, le bowling, c'est cool, ouais. Ok. Tu sais comment tu pourrais te faire remercier? Comment? Ta montre. J'adore ta montre. Tu voudrais pas me la prêter et je te la rends demain, t'inquiète. Carrément, ouais. Félicitations, c'est une édition Dora à Quartz. T'inquiète, merci. Chef. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est quoi? J'ai remarqué du sang sur la montre de Jacob, alors je l'ai pris. Tu ne t'es pas fait prendre, au moins. À votre avis, capitaine. C'est peut-être pas une bonne qualité pour vous les flics, mais je suis une excellente voleuse. Ouais, c'est ça. Très bien. Alors passe à la fin des cours, me le donner. Très bien. J'en ai marre de cette fille-là! Mais pour qui elle se prend, cette pouffe? Salut, je m'appelle Michaela, je suis une fille bad girl. Avant, tous les garçons étaient à mes pieds, maintenant ils sont omnibulés par cette pouffe! Tu parles de Michaela? Non, d'une manicure mal faite. Bah oui, espèce de débile. Et pour qui elle se prend de venir et de ruiner mon royaume, là? Moi, j'aime bien son style. Non, mais t'es bête, Alice, ou quoi? Utilise un peu ton cerveau! Désolée. Bon, il faut absolument que je trouve un moyen de me débarrasser de cette pouffe. On pourrait ruiner sa réputation? Pas mal. Pour une fois que ton cerveau me sert à quelque chose, qu'est-ce que tu proposes? On pourrait faire croire à tout le monde qu'elle a été virée de son ancien lycée parce qu'elle était enceinte. Pas mal. Et du coup, t'as entendu parler de ce garçon-là qui est mort juste avant que j'arrive? Michaela, c'est ça? Ouais, c'est moi. Alors, je sais pas qui t'es. Est-ce que tu es venu foutre ici? Mais je vais te donner un petit conseil. Parce que je suis gentille et que je veux pas qu'il t'arrive malheur. Donc ici, c'est mon terrain, mon lycée, mon royaume. Donc c'est moi la reine et les mecs ne regardent que moi. Alors toi, avec la petite gueule de sorcière mal formée, vous allez foutre le camp d'ici. Ouais, c'est clair. Ok, donc sache que je vois très clair dans ton rôle. Et peut-être ton jeu de princesse capricieuse, ça marche avec les autres, mais pas avec moi. Donc tu vas commencer par te calmer parce que je suis pas ta soumise, c'est clair? Ensuite, sache que t'es le cadet de mes soucis. Et si tu crois que j'en ai quelque chose à faire de toi, c'est sûrement que ta coloration de blondasse a dû t'oxyder le cerveau. Et un dernier conseil, d'ami. Évite d'essayer de me ridiculiser en public la prochaine fois, c'est clair. Tu veux jouer à ça? Vraiment? Ok.
Désolée, je voulais garder ton petit secret privé, mais bon, tu l'as bien cherché. Vous devinerez jamais, les gars. Ben oui, cette élève parfaite, elle s'est fait avorter. Ses parents l'ont balancée à la rue. Elle est seule, paumée. Désolée, je pouvais pas garder ça pour moi. Ta gueule, Barbara. Viens, on se casse. Mais laisse-moi, toi. Quant à toi. Aujourd'hui, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale. Alors, celle-ci s'est déroulée entre 1939 et 1945. Elle t'aime pas. C'est ton ennemi. Tu dois la tuer. Mais que ça soit bien violent. Drogue-la. Tue-la. Michaela, tu vas mourir. Fais attention à toi. Bon, d'après nos recherches, on sait déjà que le sang est du groupe au moins. Donc il ne nous reste plus qu'à attendre les analyses génétiques. Alors, il y en a pour longtemps ? D'après le logiciel, il nous reste encore quelques temps, quoique ça va bientôt être fini. Ah, regardez. C'est Patrick. C'est bon, on a le sang de la victime. Pourquoi les gars ? Patrick. Son sang a été retrouvé sur la montre. Dès lors, le lien paraît évident. Bon travail. Je savais qu'on formait une super équipe. Je vais appeler la gendarmerie. Très bien. Allô ? Capitaine Payette à l'appareil, que puis-je fournir ? C'est bon, j'ai résolu votre affaire. Allez au lycée Saint-Charles et arrêtez-moi ce Jacob, c'est lui le meurtrier. D'accord, on y va. Bon, faut y aller, parti. En état d'arrestation. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Mais vas-y, lâche-moi, wesh. Donne-moi ce gobelet. Je donne ça. Vous êtes également en état d'arrestation pour outrage à agent. Ok. Mais, Daisy, on n'a plus de nouvelles de Michaela depuis plus de 4 ans. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, encore ? De toute façon, tu vas finir au trou. Allez. Alors, qu'est-ce que t'as fait ? Je sais pas, je sais vraiment pas. Mais bon sang, dis-moi ce que t'as fait ! Michaela, j'ai fait quelque chose. Je sais pas comment dire. Mais tu peux tout me dire ? T'es un enfant, tu sais, je comprendrai. J'ai avoué, Michaela, Mais qu'est-ce que t'essayes de me dire ? Ça veut dire quoi, tu l'as voulu ? J'ai avoué, comment dire ? Mort ? Quoi ? Mais je... Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai drogué. Et... Pour la tuer. Oh merde, faut retrouver Michaela ! Thank you.
Je suis ravie que vous ayez eu de la gentillesse de le mettre ici au lieu d'en prison, car il a besoin d'être aidé et soigné. On fait qu'appliquer la loi, mais pouvez-vous me dire pourquoi est-ce qu'il agit comme ça ? Jacob est un cas très particulier de schizophrénie. Il a deux personnalités très distinctes, une gentille et une méchante, comme un ange et un démon. Ouais. Il n'y a pas de juste milieu entre ces émotions. Et lorsqu'il rentrait en conflit avec une personne, par exemple Patrick lorsqu'il l'a insulté ou Michaela lorsqu'il avait refusé son rendez-vous, son côté ange se réveille pour lui prévenir d'un danger proche. Cependant, il voyait que quelques fractions des actions de cette autre personne. D'accord. Et lorsque le démon s'en va, il ne s'en souvient pas de ce qu'il avait fait. Okay. Mais pensez-vous qu'un jour il pourra surmonter en fait cette double personnalité ? Si cela arrive, ce serait vraiment un miracle, puisqu'il a vraiment subi beaucoup de chocs durant son enfance. Je vois, en tout cas, merci, et j'espère pas une prochaine fois quand même. Moi aussi.